Philippe Lachaud a le rôle de l'animateur. Julien Arruti joue le caméraman. Jarry et Tarek Boudali sont les candidats. Tony Saint-Laurent joue le crocodile. Nous sommes devant notre décor penché où nous allons vivre une aventure. Philippe, l'animateur star, arrive sur l'île où va se dérouler la grande finale du jeu VTEP Aventure. Bonjour à tous. Il est très inquiet, il doit prendre l'antenne dans quelques minutes et le cadreur, le caméraman, n'est toujours pas arrivé. Comme d'habitude, pour se chauffer, il fait quelques pompes et des squats pour se calmer tout en gardant la forme. Voilà, jusque-là tout va bien. Il aime faire du sport en chantonnant. Et comme d'habitude, il traverse le décor sur une jambe. C'est fou, normal. Soudain arrive Julien, le caméraman de l'émission, qui arrive en courant et s'excuse pour son retard. Pardon pour mon retard. Allez, là. Pardon pour mon retard. Allez, oui, bah, pardon. Allez, allez. On est bon là? Oh là. T'étais où? Pas là. J'étais pas là. Ça, je l'ai. Philippe rappelle à son caméraman qu'ils sont en train de tourner sur une plage et que la moindre des choses, c'est qu'il enlève ses chaussures. Ah, merci. Si tu crois que tu vas nous arnaquer avec tes pompes antidérapantes, Julien. Attends, parce... Oh. Ce à quoi, Philippe... Là, t'as fait un travelling, mon frère. Ce à quoi, Julien répond, mais toi aussi, Fifi, t'es sur la plage. Mais toi aussi, Fifi, tu vas pas abîmer tes belles baskets que t'as achetées aux États-Unis. Alors, on est sur la plage, donc je retire mes chaussures. Et Julien, mais... tu commences à filmer, ok? Vas-y, filme. Tu tournes autour de Fifi et tu non, fais... Mais... Bon. Tu me vois là? Tu me vois? Oh. Tu me vois là? Tu me vois? Mais oui, je te vois. Oui, bon, bah on bosse un petit peu là, s'il allez, te plaît. Allez, je te vois. Allez. Bon, allez, assieds-toi sur le tronc, Julien. Bon, allez. Alors, vas-y, très bien. C'est parti. Attention, allez, l'antenne premier, démarre dans 10 secondes. 5, 4, 3, antenne. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission des Aventuriers, présentée par moi, Denis Brognon. Je suis très heureux d'accueillir les nouveaux participants qui vont participer à cette émission d'aventure. Tarek et Jarry. Tarek et Jarry, mesdames et messieurs. Et ils entrent sur la plage. Cela fait plus de 3 mois qu'ils sont sur l'île. Messieurs, bienvenue, ça fait 3 mois on que vous êtes sur l'île. On a oui. la dalle. Oui, oui, calmez-vous. On comprend ça, on a la dalle. Calmez-vous, vous êtes les heureux finalistes, on vous félicite, bravo. Mais comme on est sur la plage, la moindre des choses... Oui. C'est d'enlever ses chaussures, messieurs, j'arrive. Nous sommes à la plage. Retirez vos chaussures. Détendez-vous. Il fait très chaud, vas-y. Messieurs. Oh là. Oh, oh, là, oh, là. Oh super. Super. Alors, making of. Chacun fait la présentation de sa tribu. Les rouges, vous êtes... Je suis marocain. la tribu du Maroc. Jarry, quelle est ta tribu? On est la tribu Tipiak. Aïe, 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 tribu. Allez, remonte et tu vas te positionner à côté de Tarek car c'est la première épreuve que va présenter Philippe. C'est l'épreuve du saut de mouton sur la plage. Oh là là. Très bien. Eh bien, voici, c'est l'heure de la première épreuve. Tu filmes, Julien? Ouais, elle a un beau plan, là. Je peux te dire que là... Une épreuve que vous attendez tous, mesdames et messieurs. Et surtout putain, toi. Mais c'est hyper dur, hein. Agrippe-toi à quelque chose. Il y a des rochers. Au scratch. Il y a des rochers. Filme-moi en plus. Il s'agit de l'épreuve que vous attendez tous. Vas-y, l'épreuve. C'est possible de me voir, là, s'il te plaît, dans la caméra. Oh. Vas-y, je te filme. Filme, merci. Donc voilà, je disais, il s'agit de l'épreuve du saute-mouton. Voilà. Alors, l'épreuve est très simple. Je vais lâcher. S'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Allez, courage. S'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer l'épreuve. Il s'agit du saute-mouton. Ou Monsieur Rouge, vous allez faire le mouton. Et surtout, l'aidez pas, Jarry, en galère. C'est une coloscopie. Monsieur Tipiak. Voilà. Tenez-vous avec Tarek. Nous passons à la première épreuve, s'il vous plaît. Okay. Monsieur Tipiak, vous allez devoir sauter... Tipiak, tu voilà. peux te battre.
Vous allez devoir sauter par-dessus le rouge qui joue le mouton, l'épreuve du saute-mouton. Vous devez sauter par-dessus, c'est parti. Suspense important, mesdames et messieurs, va-t-il réussir ou non ? Fais pas le con, hein. Ok. Hein ? Alors, que le Tipiak se prépare à sauter, attends, mesdames et messieurs. Attends, 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 oh, attends, attends. Oh. Julien, tu filmes plus du tout, Julien. T'as arrêté de tourner. Si, j'ai fait comme ça. Ah d'accord, t'as pas un travail. Il a sauté, c'est très mouton. Important comme épreuve. Vous aurez l'immunité si vous gagnez, d'accord ? Alors attention, cette fois-ci, c'est Tarek qui va devoir sauter par-dessus Jarry. Et moi, Julien, allez, moi, tu lâches l'arbre. Hein. C'est à ton tour de sauter par-dessus Tipiak. Va-t-il y arriver, mesdames et messieurs ? Vous allez voir, le suspense est insoutenable alors qu'il se prépare. Julien, Tarek, tu filmes. Sent la rage. C'est encore, hein. Dans ses yeux. Attends, je vais filmer. Attention, on y va, mesdames et messieurs, un décompte. Attends, attends, 3, attends. 3, oh merde. 2, oh non. 1, saute-mouton. Ouais. Un point pour les rouges. Nous passons à la deuxième épreuve. Et je ne sais pas du tout ce que c'est encore. Alors c'est simple, la deuxième épreuve, ils vont devoir se mettre en haut du décor et rester le plus longtemps sans glisser. Face à Julien. Mais pas de profil. Il glisse pas, lui. Parce que j'ai des pieds de blédard. Attention, Jarry, ça serait bien que t'arrives à monter en haut. Attention ! Non, 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 les gars, là ! Putain, intervenir ! Ah là là ! Hé ! Je peux pas, tu bloques mon pied. Allez. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre une corde. Il y a une corde entre les deux poteaux. On va faire un tir à la corde. Alors. Ok ? Il y a une corde. Voilà, et on va faire un tir à la corde. Très bien, vous allez faire le tir à la corde. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un petit avantage pour l'un d'entre vous. L'épreuve est très simple, celui qui fait rejoindre l'adversaire de son côté de la corde a gagné. Bon, Oui. Fifi, il est temps de donner les scores de cette émission. Très bien. Mesdames et messieurs. Waouh. Attends, vas-y, avance. C'est le... Je peux pas. Je peux pas. C'est l'heure de l'épreuve des poteaux. Vous mettez sur les poteaux Tarek et Jarry. Qu'est-ce qui se passe, Jarry ? Je peux plus. Je peux plus. Il s'est cassé une roubignole. Allez, vous mettez debout. C'est l'épreuve des poteaux. Attends. 1, 2, 3. Allez. Philippe, tu fais le décompte. Très bien. Alors. Jarry, tu lâches. C'est l'heure de l'épreuve que vous attendez tant. Il s'agit de l'épreuve des poteaux. Combien de temps vont-ils tenir ? Les bras levés. Les bras levés. Sur une jambe. Sur une jambe. Une seule jambe. Une seule jambe. Flexion, 1, 2, 3, flexion. Voilà, très bien. On va voir ceux qui ont des abdos. Hein. Non, non, il m'a poussé. Et le gagnant est Jarry, mesdames et messieurs. Jarry. Et le gagnant, mais attention, alors que tout le monde s'amuse sur la plage, soudain entre sur la plage des aventures de Covetep, le crocodile. C'est ridicule. Oh. C'est Tony Saint-Laurent, le crocodile. Tout le monde a peur du crocodile. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, un crocodile. On a peur. Il est effrayant, le crocodile. Tire-lui la queue, caméraman. Tire-lui la queue, caméraman. C'est probablement la fin la plus pathétique d'un décor penché. Avec Tony Saint-Laurent, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Jarry et Julien. Ah, Oli, merci. Merci à tous. Allez, venez nous rejoindre. Merci, merci.